peux vous appeler Jacqueline? Oui. Vous connaissez son prénom, Jacqueline? Putain. Jacqueline, je suis pas un homme violent, tu sais. Mais quand on cherche, on me trouve. Parce que quand on prend ça, toi tu prends ça, c'est ça, Jacqueline. Hein? Écoutez, Jacqueline, si vous ne me parlez pas et vous ne me répondez pas, ça va pas trop le faire. Il va falloir qu'on ait un vrai dialogue tous les deux, un échange. Jacqueline, excusez-moi, je suis tombé malade parce que j'étais à poil à Paris, j'ai fait une soirée mousse. Non, oh non, non, non. J'ai juste l'habitude de sortir mon arme comme ça. C'est pas pour vous intimider, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas violent. Jacqueline, c'est à ma vie qu'il en veut. Tu comprends ça, Jacqueline? Oui, je te tutoie, je fais ce que je veux maintenant. Dites-moi quelque chose, Jacqueline, allez-y. Parce que là, là, Jacqueline, j'ai aucune information. Allez-y, faites-moi un petit signe avec votre œil, votre patte. Vous faites un truc comme ça, hop. Non, hop. Comme ça, ça veut dire que c'est oui, ou par exemple... Je sais pas, il est parti vers le nord, le sud. Il est parti où? Il est parti faire ses courses. Il est bien parti quelque part, putain, Jacqueline. Il faut que j'avance, Jacqueline. Non, non, je ne t'agresse pas. Mais non, oh là là, je ne suis pas comme ça. Hein, il faut me le dire, là, parce que là, ça va pas, dis donc, hein. On perd patience, je perds patience, surtout, Jacqueline. Elle veut pas me parler aussi! Il va pourtant falloir trouver une solution, mon petit père. On dirait mon ex-femme, en fait. J'ai beau la violenter, j'ai beau l'écraser par terre, lui dire des saloperies, y aller comme un bœuf, elle dit rien, elle dit rien. On va lui demander de ramener des bières, quelque chose, je ne sais pas, un truc que seules les femmes savent faire. Qu'est-ce que vous avez dit là? Quelque chose que seules les femmes peuvent faire. Des bières? Elle est là, la solution, la bière. Merci, chef. Eh bien, c'est naturel. Bon vent.